La Tunisie et la Libye ont annoncé ce jeudi s'être entendus pour se répartir l'accueil des migrants africains bloqués près du poste frontière de Ras Jedi. Et ce, après y avoir été conduits par la police tunisienne depuis un mois. Le ministère de l'Intérieur libyen, Imed Trabelsi, a annoncé la conclusion d'un accord bilatéral pour une solution consensuelle afin de mettre fin à la crise des migrants irréguliers bloqués dans la zone frontalière. Côté tunisien, le communiqué officiel s'est borné à annoncer que le ministre tunisien Kamel Fekir avait reçu son homologue libyen soulignant le besoin d'une coordination des efforts pour trouver des solutions qui tiennent compte des intérêts des deux pays. Et il faut souligner qu'environ 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient encore bloqués ces derniers jours, parmi lesquels 12 femmes enceintes et 65 enfants et mineurs.